Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour le deuxième épisode de notre série sur Prison Architect où on construit une prison tous ensemble. Voilà. Alors, ce sera une série qui, à mon avis, ne sortira pas très souvent. Enfin, peut-être au début si, mais vu que c'est toujours en alpha, à mon avis, c'est une série qui va durer longtemps. Mais bon, bah, on rajoutera des trucs. Enfin, ça sert à rien de passer des heures maintenant si on peut rien en faire après. Alors, on a la maintenance qui s'est terminée, donc on va pouvoir engager un foreman. On va le mettre là. Et voilà, donc du coup, ça nous fait... Bon, alors regardez par contre nos fonds. Je vais pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je commence à tourner ça. Parce que la première fois, j'avais commencé à construire un truc là, et j'avais un plan super pour une prison. Il se trouve que j'ai fait un bloc comme ça pour faire des fondations, et j'étais en négatif. donc c'était un petit peu problématique. Et voilà. Donc tout ça, ça attend les avocats, storage, voilà. Alors, vous voyez tous ces petits cracks qui apparaissent. Pour ça, on va... Pourquoi on peut pas aller... Ah non, faut faire une bureaucratie encore. Ah, mais j'ai plus d'argent. Bon, cleaning quand même, on va le prendre, lui. Alors, c'est lui, en fait, c'est juste en nettoyant, il va pouvoir nous enlever tout ça. Et donc il y en a un pour l'extérieur aussi, parce que vous voyez qu'il y a des traces. Pour l'instant, l'extérieur ça ne me dérange pas autant, donc on va le laisser. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ça vaut le coup de recevoir, donc on va se faire un hôpital, on va le mettre... Alors je suis tenté de me faire genre un bâtiment sécurité là, et un hôpital là. Comme ça je ferai genre moite-moite. Là ce sera que des prisons, et là ce sera administration. Après le truc c'est que pour tout ce qui est douche, moi je m'étais fait un centre de douche, et je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée, c'était mieux de l'avoir dans chaque bloc en gros. Donc on verra comment je vais faire ça, pareil pour la cantine. Je pense que je vais mettre en fait genre, je sais pas, est-ce que je pourrais mettre un bloc de prisonnier là, un autre là, et genre un ou deux là, et le reste au milieu, peut-être. Mais j'aime bien le côté genre, ça pourrait être une zone à part. C'est vrai que c'est pas logique en fait que ce soit n'importe qui puisse arriver. Quoique, on peut changer en fait là. Donc là je peux mettre genre staff only. Donc à moins de la casser, ce qui est possible pour les prisonniers, seulement le staff peut passer par ces portes là. Alors on va faire la même chose ici. Là aussi. Là. Ici et là. Et ben en fait limite ici aussi probablement, vu qu'ils sont à chaque fois escortés par des personnes de sécurité. Donc road là on va faire, ça peut être pas mal. Speed normal. Ah oui, est-ce que c'est quoi, c'est speed normal? Est-ce que je me dis que ça peut être bien d'avoir un truc spécial là? Peut-être juste road, non, peut-être pas road. Concrete tiles, non. Stone, bof. Du gravier pour les accueillir, c'est pas terrible ça. Allez, tant pis, va pour juste normal. Faut que ça coûte combien? Ouais, 1700, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ok. Alors j'ai reçu... Non, j'ai perdu 100 parce que j'ai plus de gens que je ne... Bah vu que j'ai aucun prisonnier forcément. Donc vous savez quoi, on va le remettre en... On va le mettre en très lent en fait, voilà. Et faut qu'on réfléchisse... Ah oh, super, on ne voit plus rien. Donc là on s'est dit peut-être la clinique genre là. Tout ça en clinique. Alors je sais pas, ça vaudrait peut-être le coup. La dernière fois je m'étais rendu compte que... C'était dur de... Ouais, genre ça en clinique et ça en sécurité. Ou l'inverse. Clinique, sécurité. Clinique, sécurité, clinique... Clinique, ici. Ok. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, floor... Qu'est-ce qu'il y a de rapide? Juste pour faire des concrete tiles. Ça, c'est fast. Bon, allez. Juste pour le côté RP. Ah, évidemment, un auto-save. Voilà, et du coup, ça je sais pas, mais on va le faire venir, ça on peut mettre genre des arbres ou quelque chose de sympa là.
Et donc on mettra les rues avec cette matière-là. Donc ils foutent quoi les ouvriers? Ah mais c'est vrai, je suis en traînant, c'est ça. Bah alors. Bah. Ah voilà. Ils ont du mal à se réveiller. Ils n'avaient pas envie de bosser, très bien. Je peux le comprendre. Donc on a décidé de mettre la clinique là. En même temps, en vrai, la cantine, je devrais pas la laisser aussi tard parce que je vais pas avoir assez. Non, vous savez quoi, ouais, ça vaut pas le coup. Ou alors j'en fais juste une toute petite pour l'instant. Parce qu'en vrai, 1, 2, 3, c'est ce que j'aimerais faire comme clinique, c'est quelque chose genre comme ça. 10, c'est bien, ouais. Et là, ça me coûte 4 000. Oh, quoique. Pas besoin de la remplir tout de suite en vrai. Hein. Allez, tant pis. Et on va faire en gros la même chose. Mais il fait combien? 40. Okay. Ouais, non, là c'est pas du tout le même. Même chose de l'autre côté. Concrete tiles. Tac. Stockage. On va le mettre comme ça. Ok, donc du coup, on peut le poser à partir de là, ça. Ouais. On va le faire aller là. Donc, combien de largeur? 10, pareil. J'ai dit que c'était quoi? Ça, c'était la sécurité? 4 500, bon allez. Ok. Donc là, il me faut une entrée. Bon, écoutez, je suis tenté de juste la mettre là. Hein. Non, ça se tient. Quitte à en mettre d'autres par la suite. Tac. Faire la même ici, du coup. Et on va mettre des petite porte. Tac. Et tac. Alors, pour vous donner une idée, sécurité, ça va être non seulement le poste de sécurité, mais également là où seront accueillis les prisonniers et la salle d'exécution. Donc, enfin, je crois, je sais pas s'il y a assez de place là-dedans, enfin, en vrai, mais bon. Quoi? Ah oui, il est plus long en fait, celui-là, 45. Ah bah, tu m'étonnes. Bon, c'est pas grave. Sécurité, c'est bientôt fait. Bah justement, parfait. Je propose... Ça, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que j'ai pour... Attends, j'ai rien fait là-dedans, c'est ridicule. Shower. Donc, en gros, là, je vais faire un bloc, deux blocs, trois blocs, quatre blocs, et quelque chose au centre. Au centre, je vais mettre les cantines. Alors, en fait, à la base, dans mon idée, je voulais mettre genre un bloc, c'était un truc massif, genre qui faisait ça. Et dedans, il y avait genre plein de cellules en croix comme ça, en trois. Et ici, il y avait, j'ai dit quoi, cantine. Ici, il y avait le jardin, enfin un truc où ils peuvent s'amuser dehors. Là, il y avait les douches. Et là, il y avait quelque chose d'autre. Donc voilà, c'était un... Je pouvais vraiment en faire des univers complètement contenus. Et si jamais il se passait quelque chose, bah c'était que là, donc c'était pas bien grave. Puis en fait, c'est pas aussi simple que ça. Alors ces deux-là, on va les laisser tels quels pour l'instant, c'est très bien. Lui, il gère l'électricité, ouais. Et on va quand même se faire un bloc. Ah non, vous savez quoi, ici? Tac, je peux me faire un couloir avec donc allez le bureau du chef là. Donc office de 5 sur 5. Voilà. Security, alors je sais pas ce que ça fait ça, mais 4x4, donc on va le. Allez, en attendant, on va le mettre. Non, on veut pas que ce soit là. Ouais, si on va le mettre là, 4x4. 5x5? 4x1? Quoi? 5x5. Ok. Donc ça, ce sera security, même si je ne sais pas ce que c'est.
Donc, on peut mettre les murs comme ça. Et derrière, il y aura. Alors, déjà, il y a le truc qui s'appelle solitary. Ça, c'est le truc pour ceux qui ont fait des conneries. Ils sont tout seuls. Celui-là, je pense que je vais le mettre dans chaque unité. Je vais pas faire un truc central. Par contre, je vais mettre l'exécution. Je vais le mettre là, je pense. Ici, je pense que je vais mettre une autre porte. Voilà, genre là, et là je vais mettre. Non, pas là, qu'est-ce que je fais? Non, non, non. Ah, super. Il n'y avait pas un truc où je pouvais déplacer des. Non? Ah, bah c'est bon, d'accord. Tac. J'ai pas encore. Bah, vous savez quoi, ils vont sortir, hein, ils vont pas chier. Donc, ici, on va mettre une porte, et donc là, ce sera la salle d'exécution. Donc, tout ça, en gros. Oui, d'ailleurs, c'est bien d'avoir plus. Enfin, c'est mieux d'avoir une grande porte. Tout ça, ça va être. Machin. Alors, pas besoin de la mettre maintenant, mais ça prend combien de place? Ça, c'est 2 sur 2. Ok, bon, en fait, tout ça, ça va suffire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ça, ce sera le truc d'exécution? Non, peut-être pas. Peut-être un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est trop gros. Allez, 8. Allez hop. Voilà, donc ça c'est le truc d'exécution. Et tout ça c'est ce qu'on appelle un holding cell. Donc c'est là où sont les gens, hein, on va dire. Paintstone, concrete floor. Alors si j'ai bien compris, c'est comme ça qu'on fait pour enlever les murs. J'avais galéré au début. Utilities, on va le mettre. On va le faire venir directement là. Non, ça pas besoin à mon avis. Moi, je fais juste ça. J'essaye de le faire dans le moyen qui perd pas trop d'énergie, mais. Parce que là, je commence à être un peu à sec. Hein. Il va falloir que je ramène des prisonniers vraiment bientôt. Parce que j'ai pas bien géré mon budget du tout. Et. Ah bah en fait, ça j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Comment ça se fait que ça peut traverser ça? C'est pas la même pièce. Ok, d'accord. Bon bah voilà, donc ça c'est bon, on s'en occupera plus tard. Bureaucratie approved, donc c'est-à-dire que ça. Bah pourquoi j'ai pas. Bon, on s'en fout. Ah par contre j'ai le chef de sécurité que donc je voulais placer là. Tac, on va le mettre comme ça, à gauche, donc, tac, et voilà, et on lui fera pas le sol, super classe, on verra plus tard. Très bien. Et ouais. Donc on va jouer. Bon, on va se faire un bloc. Hein. On va se faire un tout premier bloc ici. À quoi que je peux direct me faire holding cell. Si tout ça je le transforme en holding cell, sauf genre. Tiens, derrière on va quand même mettre. Est-ce que je peux. Ouais. Ouais, ça suffira, allez. Ça fera la base. De toute façon, holding cell, ça doit être que temporaire. Build a holding cell. Et qu'est-ce qu'il faut? Toilette et bench. Alors. Des toilettes.
Je vais les mettre dans ce coin-là, comme ça c'est tout près de l'eau. Et bench. Je vais en placer un là. Donc pour l'instant, ça suffira. Je vais en mettre deux. Donc comme ça, ça va me faire holding cell. Prisoner capacity 15. Là, je sais pas combien je suis. Je suis certainement pas à 15. Alors. Lui, je vais en avoir besoin, donc autant le sortir très largement. Allez, on va aller jusqu'à là. Je sais pas si du coup ça a marché avec un gros. Je crois que c'est avec des petits. Ah, ça, je vais bientôt avoir 10 000. Enfin, si je fais ça. Question office. Donc en fait, peut-être que ça vaut le coup de finir ça, même si je me disais qu'au début, bon, c'est pas ma priorité, hein, mais je peux me faire tout au fond le bureau du psychologue. 2, 3, 4. On va le faire comme ça. Donc. Ça, c'est un bureau avec une petite porte là et tac. Ah bah on les connaîtra nos bureaux au final. Tac. Du coup, je vais avoir besoin du câble pour sortir genre comme ça. Qui reste là. Ah, ils sont pas encore installés. Ok, donc ça, ce sera pas mal. Medical ward, du coup, c'est bon ou tout? Ah non, je crois que je... Ah merde, je peux pas encore le faire, je l'ai pas... Ouais, c'est en cours de recherche, ça. Donc, ouais. Donc, au moins, tout ça, c'est allumé. Donc, je les attendrai dès que ce sera prêt. Donc, j'aurai 10 000, ça, c'est bien. Et les 10 000, je vais les avoir facilement. Prisoner capacity 15, ça va peut-être pas tout de suite bientôt venir. Shower, alors holding cell, ça c'est bien, c'est fait. Deux gardes, ouais, bah ça c'est vrai, autant les prendre dès maintenant. Voilà, deux gardes. Les cuisines, donc pareil, les cuisines, je vais les faire par bloc. Donc, bah, vous savez quoi, j'avais un plan pour un magnifique bloc de détention. Je pense qu'on va pas pouvoir le faire, donc je vais le faire. Je vais le faire là. Donc. Alors, je vais quand même me tenir à ma mesure de 12 de large. Ça, c'est juste pour les prisons. La 31. Ah, attendez. Du coup, il faut que je refasse complètement mes plans. Je suis un peu dégoûté que ça n'ait pas marché le truc. Parce que là, j'avais 10 cellules. Si je le faisais de 30 de haut. Donc limite ça je peux le dégager en fait, ça n'a rien à faire là. Donc je peux me dire que là il y a... Voilà, là j'ai mes... Non, j'ai pas de 10 cellules, j'en ai 20. Voilà, là j'ai 20 cellules. Et que devant je peux avoir tout ce qui est cantine et haut. Donc allez, on va le mettre là. Tac. Et devant je rajouterai ce dont j'aurais besoin. Ça devrait marcher pas trop mal. Ok. Alors, ouais. Donc. Ça. Je m'en débarrasse. Et à la place, je mets un mur. Tout ce qu'il y a de plus normal. J'en suis où? Mental health. Pas encore tout à fait ça. Mes bâtiments... Oh, ça, ce sera le truc pour l'exécution. Ça a besoin d'avoir une taille minimum? Non. Du coup, je vais mettre une cellule comme dans le tuto. Voilà, une petite cellule. Tac, et là, ce sera l'exécution.
Ok. Bon, ça, de toute façon, je vais gérer ça plus tard. Requires entrance. Alors, l'entrée, bon, bah, pour l'instant, je vais mettre une grande entrée là. C'est bon, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà. Et donc, tout ça, ce sera. Alors, je vais essayer de le faire entier. Peut-être que je vais dépasser un peu et que du coup, je l'imprimerai différemment là. On verra. Je sais qu'au moins, tout ça, ce seront des cellules. Mais ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire entrer. Je suis pas sûr que ça rentre. Alors, utilities. Non, d'abord je vais faire la séparation parce que je suis pas trop sûr encore où vont aller tous les trucs. Donc, alors là, je veux un couloir de 2 de large, il me semble. Et ce que ça va faire, c'est comme ça. Voilà, c'est ça le principe des cellules. C'est un truc très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh non, j'ai plus d'argent! Abusé, 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 abusé. Ouais. Oh, je suis trop dans la merde. Est-ce que ça va quand même me donner prisoners? Ah, ils vont quand même m'en donner 32, je crois. Parce que là-dedans, j'ai assez. Alors, ça va être horrible parce que j'ai pas de quoi les gérer. Mais, ouais. 32, ça va me donner un petit peu d'argent. Oh, ça va pas être fun, hein? Vous savez quoi? Alors voilà, vous avez un aperçu de ce que je veux faire, même si c'est pas parfait, parce que bah, voilà, là, je voulais vraiment des gros trucs complètement intégrés. Je ne peux pas le faire. Donc je vais recommencer. Donc entre le premier et le deuxième épisode, j'ai fait une sauvegarde. Donc je vais reprendre cette sauvegarde-là. Et refaire exactement ce que vous voyez sans ça. Sans les détails à l'intérieur de ça, donc il y aura juste holding cell et ces deux bureaux-là vides. Et je vais au moins. En fait, je vais faire des économies où je peux pour m'assurer d'avoir une aile complète. Et ouais. Donc, vous savez quoi, je vais le faire dans cet épisode-là. Donc, on se retrouve tout de suite. Bien, alors me voilà de retour. Regardez-moi ça, ça a bien avancé. Alors, du coup, j'ai rien fait médical. Là, je le ferai plus tard. Je profiterai plus tard des 10 000, c'est pas grave. Mais regardez, donc là déjà j'ai ma cuisine et donc ça a bien avancé. J'ai un petit peu modifié ça. Donc vous voyez, ça va remonter un peu plus haut. Et ici, je vais mettre les douches. Donc, je vais faire ça avec vous. Showerhead. Je vais en mettre. Je sais pas, moi je vais en mettre deux. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, je vois. Non, pour l'instant, j'en mets une, puis j'en mettrai une autre de l'autre côté, puis on verra s'il y a besoin de plus. Hein. Il y a la place d'en mettre plus. Du coup, ça va avoir besoin d'eau, ce qui n'est pas un problème. Voilà. Mettre ça comme ça. Et regardez le réseau qui commence à se compliquer un petit peu, mais pour l'instant, ça va. Alors, la cuisine est opérationnelle. Shower. Donc là, il me reste que le yard à faire que je compte mettre ici. Sauf que je compte en fait imbriquer les deux bâtiments complètement. Et du coup, je ne l'ai pas encore fait. Ça attendra un tout petit peu. Et vous voyez que dans 18 heures, j'ai 24 prisonniers qui arrivent. Alors pour l'instant, ils vont devoir aller dans Holding Cell parce que c'est le seul endroit où j'ai de la place. Mais très bientôt, je vais. Bah, vous savez quoi? Je vais commencer à installer des trucs maintenant ici. Alors. Objects. Je peux mettre les lits, genre, comme ça. Ça coûte super cher en fait, mine de rien, des lits. Ce qui me semble que chaque prisonnier me rapporte 100 tous les jours. Donc, en fait, on met du temps à rentabiliser une petite cellule comme ça. Tac. Et.
Voilà, alors visiblement j'ai un problème d'énergie là. Ah oui, tu m'étonnes. Alors là, ça va être la salle d'exécution, donc je vais être obligé de ramener un truc, donc autant utiliser. On va voir si ça suffit, ça. J'espère, parce que... et là, il va falloir que je mette des portes. Donc... Alors, on va garder une toute petite réserve pour voir est-ce qu'il va nous falloir quelque chose d'autre. Normalement, ça va être bon. Ah non, j'ai pas encore mis ça. Ah. Donc... Là, un coup de 20 à chaque fois, ça va vite descendre. Voilà. Et voilà. Ça, ça va aller, ça va pas prendre trop longtemps. Donc, visiblement, c'est bon. Ouais, c'est bon, là, les toilettes. Donc ça, je peux commencer à les mettre comme... Enfin, vous savez quoi, je vais attendre un peu. Là, je me sens pas prêt à accueillir tout plein de prisonniers d'un coup. Là j'ai toujours le problème. Ah oui, ils peuvent pas entrer, bien sûr. Hop. Voilà, du coup ils pourront mettre tout ça. Mais du coup lui. Alors lui il est coincé tout à l'heure, je sais pas comment il a fait, il est passé de là, il a fait genre wow, il est rentré et bah maintenant il peut plus ressortir. Voilà, du coup maintenant, allez, faites-moi ça. J'ai dit bon, d'accord. Ah c'est bon. Ok, donc ça, ils vont s'en occuper. Blablabla, qu'est-ce qui me manque encore? À 15, donc dans des cellules, ça va pas trop tarder. Là, je suis presque à 10. Alors lui, je l'ai oublié ou il a juste pas été installé? Je l'ai visiblement oublié. Non, même pas. Ok, et bah écoutez, je crois que c'est à peu près bon. Ils sont mes... Ah, lui, il va chercher des trucs. Ok, ça, c'est pas mal là. Build a shower. Bah, ah oui, non, je suis. Hein. Alors, ça, j'oublie toujours. À partir du moment où je mets ça, je me dis que c'est évident que c'est une douche. Mais en fait, non, il faut bien le mettre. Donc, ça y est. Shower yard. Donc, le yard, pour vous donner une idée, moi, ce que j'avais envie de faire en fait, c'était que ça, je le compte comme un bloc de 12 sur 45. Donc, la moitié, c'est, disons, 22,5, donc ici. Donc ça, ce qui a la ligne qui a, donc là où il y a écrit 12, la ligne où est ma machin, ce soit une fence. Donc, alors pareil, je remets mon doigt juste pour voir. Et, on va voir si je le mets comme ça. Et allez, de façon temporaire, je vais le mettre là aussi. Comme ça. Ah non, j'ai même pas besoin de mettre ça en fait. Voilà, alors comme ça, ça va pouvoir les garder complètement séparés. Et ici, je vais mettre une autre petite porte. Alors là, vraiment, ça va être limite. Normalement, il n'y a besoin de rien pour Yard. Donc ça fait 7 sur 11. Non, je peux même le faire. Voilà, ça a été fait, donc j'ai rien eu plus malheureusement, mais donc voilà, ça en gros c'est un bloc, donc sauf qu'il manque un côté ici, et ici je, alors en fait le truc c'est que j'arrive pas à les faire utiliser, genre des fois j'ai installé des télés, j'ai installé ça, et ils les utilisent jamais, c'est un vrai problème je trouve, et donc résultat, moi je sais pas quoi faire pour qu'ils ne me tuent pas, hein. Enfin que, plutôt qu'ils ne se tuent pas entre eux, surtout que pour l'instant j'ai pas d'argent pour des docteurs, très bientôt je vais acheter les docteurs je pense, dès que j'aurai 1000, voilà. Bon, cette fois-ci on s'arrête vraiment, là vous voyez que notre prison est opérationnelle, moi je vais continuer à jouer et je vais recevoir des prisonniers seuls. Je suis désolé, je ne serai pas avec vous pour ça. Ou alors, peut-être que je l'intégrerai dans la prochaine vidéo. Mais surtout, dans la prochaine, je veux qu'on voit l'expansion de la prison. Donc ça, je vais le finaliser. Et une fois que ça se sera fait, donc déjà, j'aurai reçu les 10 000. Je vais pouvoir créer le truc médical que je ne vais peut-être pas mettre là, finalement. Je ne sais pas encore, mais je me dis que en vrai...
Faut que je vois combien ça va me prendre de place, tout ça, mais ça pourrait être intéressant de l'avoir entre des unités comme ça, parce que ça va être loin sinon. Ou alors faudrait que je mette une mini clinique dans chacun, enfin, on verra. Le truc, c'est que j'ai pas envie que les prisonniers se baladent absolument partout. Donc voilà. Sur ce, je vous retrouve la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je m'éclate dans ce jeu. Vraiment, il est sympa. Et j'ai hâte qu'il soit beaucoup plus peaufiné, hein, que ce soit plus une alpha, pour voir ce que ça donne quand tout marche très bien. Voilà, salut à tous!